On a eu un bon temps dans la présence de Dieu ce matin. Et je pensais à ce bon vieux chant que peut-être vous connaissez. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous le connaissez On peut se lever Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, dis à ton voisin. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu en cette année 2016. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-lui, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut croire, tu verras la gloire de Dieu dans ton couple. Je te dis que si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu dans tes finances. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas sans espérance. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Vous le croyez J'ai encore envie de le chanter certains trouvent que c'est un gâchis hein, d'utiliser le temps quand je chante parce que je chante pas très bien mais je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu tu verras la gloire de Dieu tu verras la gloire de Dieu AMEN la gloire de Dieu. Vous avez vous avez aussi du mal à vous arrêter. Tellement ce chant est bon. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu pour euh, sa fidélité, sa parole. On est dans, dans une série que notre pasteur a, a commencé. Donne-moi cette montagne. Et pour beaucoup d'entre nous, les années précédentes et l'année 2015 ont été des années difficiles. Mais je crois en les nouvelles saisons. Et je crois que Dieu est un Dieu de saison. Et je crois que cette année sera pour nous, pour notre Église et pour la majorité d'entre nous une nouvelle saison, et je le prophétise au nom de Jésus. Que les échecs passés ne soient plus votre partage cette année. Que les difficultés des années passées ne soient plus votre partage cette année. Parce que Dieu dit de lui-même qu'il est vivant. Et l'éternel est vivant. Et son nom est Jésus. Et cette année sera réellement une nouvelle saison. Est-ce que tu le crois? Parce que je <laughs> te dis... <laughs> Wow. Une saison où coule le lait et le miel et l'eau de la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreu au chapitre 10 et dans Colossiens au chapitre 2, verset 17, que l'alliance de la loi c'est-à-dire que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que l'ancienne alliance représente une partie de, des réalités de la nouvelle alliance. Mais elle le représente mal, elle le représente avec imperfection. Mais autrement dit, ça veut dire que ce qu'on voit dans l'ancienne alliance, les paroles qu'on voit, les récits qu'on voit dans l'Ancien Testament, la loi même nous permet de mieux comprendre les réalités de notre alliance à nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et on a vu euh, dimanche passé, et on va voir encore aujourd'hui cette histoire avec euh, Caleb, Josué et le peuple d'Israël qui voulait entrer dans la terre, la, promi, la terre de la promesse, Canaan, et qui finalement ont tourné dans le désert pendant plus de 40 ans, alors que ça aurait dû prendre 11 jours à vol d'oiseau de la sortie d'Égypte à la Terre de la Promesse pour l'entrée dans Canaan. J'imagine la frustration qu'ils ont pu avoir, j'imagine les douleurs qu'ils ont pu avoir, mais je sais que si Dieu a fait durer cette saison pour Israël aussi longtemps dans le désert, c'était pour que les générations futures s'en souviennent et que cela nous serve d'exemple à nous. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, on va le lire ensemble. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples. Dis à ton voisin, c'est là un exemple. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombèrent vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme ils tentèrent, le tentèrent Certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. J'aimerais m'arrêter sur ce verset 11 où l'apôtre Paul dit, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ces choses, nous dit l'apôtre Paul, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous. Donc, on peut voir réellement, comme Paul a commencé à le faire, un parallèle entre le parcours d'Israël, et le parcours de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. L'apôtre Paul va dire qu'ils sont passés par euh, toutes sortes de choses, par la, la mer, par la nuée. Ils ont été baptisés en Moïse et nous, on a été baptisés en Jésus. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse euh, voir l'évolution de ce parallèle euh, un peu plus en détail. Tout commence par une alliance. Dieu a voulu se rapprocher des hommes et a voulu se faire un peuple. Et Dieu un jour s'est révélé à un homme qui s'appelait Abraham. Il l'a renommé en l'appelant Abraham. Et quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va vers le lieu que je te montrerai. Et Abraham habitait dans un lieu qui s'appelle Charan. Charan, le lieu de ses pères, le lieu de là où il vivait avec sa famille. Et Dieu lui dit quitte cet endroit, quitte le lieu du petit fruit, et va vers un nouvel endroit, un lieu où coule le lait et le miel. Va. Là où je te montrerai un endroit qui s'appelle canaan et canaan c'est la terre de la promesse c'est là l'alliance que Dieu fait avec un homme et Dieu promet et Dieu tient sa parole Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir ce qu'il dit il le fait ce qu'il déclare s'accomplira et il a dit à Abraham je te conduirai vers une terre de la promesse, une terre où coule le lait et le miel vers un territoire qui s'appelle Canaan. Et il va continuer. Dieu va lui dire, je te bénirai. Et quand Dieu dit qu'il bénit, ce n'est pas juste un mot comme nous on peut dire, sois béni, sois béni, sois béni. Quand Dieu dit qu'il bénit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la malédiction. Pas de place pour la mort, pas de place pour la maladie, pas de place pour le manque, pas de place pour la pauvreté, pas de place pour la dépression. La plénitude de la bénédiction. Et Dieu bénit Abraham et Dieu dit, je bénirai ta descendance et ta descendance possédera ce pays promis. Canaan. Et là, on voit ce parallèle déjà dès le début avec nous. Il a fait une alliance, l'alliance d'Abraham, qui était pour les Juifs. Et avec nous, il nous a fait une alliance en Jésus-Christ, qui est pour tous les hommes, vous et moi. On peut déjà voir ce parallèle dès le début. Et, et, et nous, cette alliance, Dieu nous a bénis aussi dans Ephésiens, en chapitre 1, verset 3. La Bible dit que Dieu nous a bénis, le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De la même manière qu'Abraham, Dieu a béni sa descendance et lui a dit, tu auras la promesse d'aller dans ce territoire, la terre promise, Canaan, où coule le lait et le miel. Dieu a dit à, 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 à tous les hommes qui seront en Jésus-Christ qu'ils seront bénis de toute bénédiction. Et en gros, Dieu leur a donné toutes les promesses. Mais la Bible en Jésus-Christ est pleine de plus de mille promesses qui couvrent tous les besoins de notre vie. Donc Abraham, Dieu lui a promis un Canaan, et nous en Jésus-Christ, Dieu nous a aussi promis un Canaan. Puis l'histoire continue. Abraham a des enfants, et les enfants d'Abraham ont des enfants, et les enfants des enfants ont des enfants. Ils deviennent tellement nombreux avec Joseph, etc. Ils se retrouvent en Égypte. Et là, en Égypte, le peuple juif se retrouve très nombreux, ils sont des plus d'un million, et ils se retrouvent esclaves du Pharaon en Égypte. Ils se retrouvent être des esclaves alors qu'ils ont une promesse. Et là, c'est l'image, le Pharaon est l'image du diable, aujourd'hui pour nous. Et l'Égypte est l'image du monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va entendre les cris de son peuple. Et il va se souvenir de la promesse qu'il avait faite à Abraham et il va libérer son peuple de l'Égypte. Vous savez les plaies, etc. Mais qu'est-ce qui va réellement libérer le peuple juif de la servitude C'est lorsque, à la Pâque, un ange de la mort va passer et Dieu va inaugurer cette fête qui est la Pâque et il va dire prenez un agneau, un agneau pascal, un agneau sans tache, sans défaut et Immolez cet agneau et prenez le sang de cet agneau et mettez-le sur les linteaux de vos portes. Et ceux qui appliqueront le sang de cet agneau sur les linteaux de leurs portes et sur les poteaux ne mourront pas, mais vivront. Et non seulement la Pâque a été salutaire pour Israël, puisque aucun des premiers-nés n'est mort, mais en plus la Pâque les a libérés de l'oppression du pharaon et de la servitude en Égypte. Et là, on voit ce qu'il s'est passé pour nous aussi. Lorsqu'on a entendu la bonne nouvelle, et qu'on a cru en Jésus-Christ, qu'on a cru en cette bonne nouvelle, qu'on a entendu le message de l'Évangile, et là, on a cru en Jésus, on a dit Seigneur Jésus, pardonne-nous. Et c'est ce que Jésus a fait à... La Pâque, il est mort sur cette croix, il a versé son sang, et son sang nous a pardonné, et son sang nous a entièrement pardonné, et le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous et moi, et on a quitté le monde, le royaume des ténèbres, et on est entré dans le royaume de la lumière, de Dieu. Et vous voyez, l'ancienne alliance illustre est une ombre de ce qui s'est passé aujourd'hui pour nous. Et on peut continuer. Après cela. Ils vont euh, quitter l'Égypte et ils vont traverser euh, la mer et la nuée. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2, l'apôtre Paul le dit, ils ont été baptisés en Moïse au travers de la mer et de la nuée. Et nous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit et l'eau du baptême. Encore un parallèle. Puis on continue. Parce que ce n'est pas là le, le thème de notre série, mais on va y arriver. Puis, en chemin, ils avaient besoin de manger dans ce désert. Dieu va leur donner, l'apôtre Paul le dit et l'histoire nous le, le montre, euh, un aliment spirituel qui est la manne et un breuvage spirituel à un rocher euh, qui, qui était de l'eau, qui sortait du rocher de manière surnaturelle. Et là, l'apôtre Paul nous dit dans ce passage que cette alimentation spirituelle et ce breuvage spirituel n'était autre que Christ. Et nous aussi, on est aujourd'hui planté dans une église locale, et on est arrosé par la parole de Dieu, nourri par la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Christ, n'est-ce pas Puis Dieu va leur donner une nuée et une colonne de feu. Et cette nuée représente le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à notre nouvelle naissance pour nous guider et nous diriger. Ou cette nuée avait pour objectif de conduire le peuple d'Israël vers la terre de la promesse vers la terre, promise vers Canaan. Il ne faisait que ce que la nuée disait à Moïse, et Moïse répétait au peuple ce que Dieu disait à travers la nuée. Cette nuée est l'image du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies, et comment on doit être conduit par le Saint-Esprit pour avoir cette révélation de la parole de Dieu et entrer dans notre héritage, l'héritage que Dieu nous a promis en Jésus-Christ vers notre Canaan à nous. Combien d'entre vous veulent entrer dans Canaan Combien d'entre vous croyez que Dieu a plus en réserve pour lui À une terre de la promesse où coule le lait et le miel, que nous sommes là pour jouir des bénédictions spirituelles que Dieu nous a données en Jésus-Christ Amen. Et puis, ils sont conduits par la nuée dans le désert, et nous on est conduits par le Saint-Esprit pour hériter de nos promesses. Et voilà que ce voyage qui devrait prendre 11 jours à vol d'oiseau, au final, après avoir stationné un bon moment euh, à, la, euh, à la montagne de Sinaï, les voilà qui repartent et ils arrivent enfin, après deux ans, après avoir quitté l'Égypte, ils arrivent enfin à la frontière de Canaan, la frontière de la terre promise. Et puis on a lu l'histoire euh, la semaine passée et. On a vu comment ça s'est passé pour eux. Dieu voulait les faire entrer directement dans Canaan. Il voulait, au bout de ces deux ans, lorsqu'ils étaient en face de la frontière, qu'ils allent conquérir ce territoire et qu'ils qu le possèdent et qu'ils jouissent dès cet instant de leur héritage. Mais nous savons ce qu'il s'est passé. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et Dieu les a fait tourner, tourner. Pourquoi Parce que, alors que Dieu leur avait envoyé, demandé d'envoyer douze espions, on l'a vu dimanche passé, dix d'entre eux ont eu un rapport négatif et ont influencé le peuple à se plaindre et à être incrédule et à manquer de confiance en Dieu. Seulement deux, Josué et Caleb, ont cru en Dieu et disons, nous aurons la victoire. Ce territoire est à nous. Et Dieu, cela n'a pas été agréable à Dieu. Et Dieu n'a pas pu les faire entrer dans le territoire de Canaan. Et ils ont erré pendant 40 ans encore dans le désert le temps que toute cette génération incrédule disparaisse et qu'une nouvelle génération une génération de foi animée du même esprit que Josué et Caleb cet esprit de foi puisse entrer donc seulement deux adultes âgés de plus de 20 ans ont pu rentrer dans la promesse de Dieu dans Canaan dans la terre de la promesse et tous les autres n'ont pas pu y entrer il a fallu qu'une nouvelle génération de foi naisse pour pouvoir entrer dans la terre de la promesse. Et ici, c'est l'image aussi pour nous. Dieu nous a fait des promesses et Dieu nous a bénis par sa parole dans le monde spirituel, comme il a béni Israël et dit « Je veux que vous possédez cet héritage, je veux que vous entriez en Canaan. » Et Dieu le voulait, et Dieu était déterminé et décidé à le faire. Seulement, il avait besoin que son peuple lui fasse confiance. Il avait besoin que son peuple manifeste de la foi. Mais son peuple a été incrédule et n'a pas cru. Et Dieu n'a pas pu les faire entrer à cause de leur incrédulité. Et on va le voir ensemble pourquoi Dieu n'a pas pu les faire entrer. À cause de leur incrédulité. Et ils ont tourné en rond. Et l'apôtre Paul nous dit que ces choses qu'ils ont vécues ont été faites pour nous servir d'exemple à nous. Pourquoi d'exemple Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne de la même manière. Oui, Dieu nous a bénis. Mais à moins qu'on ne lui fasse confiance, à moins qu'on ne manifeste la foi, il nous sera impossible d'acquérir, de posséder cet héritage et ces promesses que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Les chrétiens devraient être les gens les plus heureux de la terre. Mais on voit que la majorité des gens, la majorité du peuple, n'ont pas hérité de Canaan. Et c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui dans l'Église, c'est que la majorité des membres de l'Église, du corps de Christ, des enfants de Dieu, ne possèdent pas pleinement leur héritage. Ils n'ont que des miettes, ils ne se contentent que du salut que de la vie éternelle, alors que Dieu a la guérison, Dieu a la prospérité, Dieu a l'abondance, Dieu a tellement de choses en réserve pour son peuple. Et là encore, on voit cette image. Seulement une minorité avait choisi la foi et seulement une minorité ont pu rentrer dans la terre de la promesse. Après avoir passé 40 ans à errer dans le désert, Hébreux 6.12 dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Après avoir passé quarante ans à errer dans les déserts, quarante ans plus tard, voilà une nouvelle génération, une génération lidée par Josué avec Caleb à côté, et cette génération est une génération de foi. Et ils se retrouvent à nouveau face à Canaan. Mais Dieu les fait passer cette fois par un autre chemin. Et Dieu les amène devant le Jourdain. Ils ont quitté l'Égypte devant une mer, et Dieu a ouvert la mer en deux, et Dieu a fait passer ces hommes par une sorte de baptême pour symboliser une nouvelle saison pour le peuple juif. Et là, Dieu les fait passer, après avoir erré 40 ans dans le désert, cette nouvelle génération, en face d'un Jourdain. Plus comme avant où les douze espions ont été envoyés, mais toujours à la frontière de Canaan, mais cette fois avec le Jourdain qui les empêchait de passer. Et là, c'est l'image. D'une nouvelle saison que Dieu voulait leur montrer. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle saison de foi démarre pour vous. Et Dieu ouvre le jourdain. Il passe par une nouvelle sorte de baptême, le baptême d'une nouvelle saison. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin qu'avec Dieu, il y a des saisons. Et peut-être que vous avez erré pendant 40 ans. Peut-être que ça fait des années que vous tournez en rond. Peut-être que ça fait des années que vous êtes là à essayer de sortir de vos problèmes, à essayer de vous accaparer les promesses de Dieu, mais vous n'y arrivez pas. Et vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup souffert. Mais Dieu vous dit qu'il y a une nouvelle saison ce matin. Et face à ce Jourdain, il a fait passer le peuple par le Jourdain. Ils sont passés et ils, ont, ils sont entrés dans Canaan. 40 ans plus tard, Caleb et le peuple entrent dans le Jourdain pour se battre et conquérir le territoire dont Dieu leur donne possession, car il y avait des ennemis. Et là, il y a une image encore. Même si Dieu leur a donné ce territoire, il ne fallait pas qu'ils ne fassent rien du tout et qu'ils attendent que le territoire devienne leur possession, que Dieu envoie un feu du ciel qui consume les ennemis. Non, ils avaient besoin d'entrer dans ce territoire parce que dans ce territoire et d'en prendre possession parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas les laisser entrer et prendre leur héritage. Frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour nous. Dieu nous a bénis, Dieu a déclaré sa parole sur nos vies, mais il y a des ennemis dans nos vies. Il y a le diable. Il y a l'ennemi de nos âmes qui veut nous empêcher de nous accaparer des promesses de Dieu, parce qu'il est totalement illégal. Oui, peut-être que votre Dieu a parlé, mais moi, je suis là et je ne veux pas que vous héritiez de ses promesses. Il va falloir faire plus que simplement attendre. Il va falloir faire comme le peuple, aller et conquérir et prendre possession de notre héritage. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il ne suffit pas simplement d'être là et d'attendre que Dieu fasse pour nous les choses et entrepeine uniquement les choses pour nous, mais que Dieu nous a donné ce qu'il appelle la foi, la parole de la foi, pour nous accaparer ces promesses et en prendre possession. Et là, il y a encore une image, on le voit. Cinq ans plus tard, après ces 40 ans, quand ils ont pris possession d'une partie de Canaan, voilà, Caleb se retrouve devant la montagne de Hébron. Et Dieu, à l'époque, lui avait dit à Caleb, cette montagne, tout le lieu que tes pieds ont foulé, Caleb, je te le donnerai en héritage à toi et à tes fils. À toi et à tes fils, donc Caleb. Il avait 85 ans à ce moment-là, donc euh, il avait 40 ans au moment où Dieu lui a parlé, où il a fait le rapport positif. 40 ans plus tard, il se retrouve en face euh, de Canaan, il entre en Canaan et 5 ans plus tard, donc il a 85 ans, il se retrouve en face de cette montagne Hébron, où il y a les, les, les géants, euh, les a danak etc. Et il dit, donne-moi cette montagne que tu m'as promis. Et là encore, on voit, Dieu lui a promis cette montagne que ses pieds avaient foulée. Et là, il va dire... Dieu, donne-moi cette montagne. Pourquoi demander à Dieu de nous donner quelque chose qu'il a déjà dit qu'il nous donnerait Et en plus, il va aller et prendre possession. Et là, c'est la clé, frères et sœurs. C'est que la Bible dit que le royaume de Dieu, depuis le temps de Jean-Baptiste, est forcé, il essaye de se frayer un chemin, et ce sont les violents qui s'en empare. Et le mot grec ici pour violent, ce n'est pas le mot de violence par la violence physique, c'est être violent, c'est ici être fort, c'est être fort, c'est être énergique dans la foi. Si on veut s'accaparer des promesses de Dieu, il va falloir être fort dans la foi, il va falloir être énergique dans la foi, il va falloir mener le combat de la foi, parce que c'est par la foi qu'on hérite et la persévérance dans la foi, Hébreux 6:11, qu'on hérite des promesses de Dieu. Alors, la question de savoir pourquoi ma vie stagne, pourquoi c'est difficile, elle se répond simplement par ce par quoi Israël est passé. Pourquoi n'ont-ils pas pu entrer dans Canaan Pourquoi n'ont-ils pas pu la première fois prendre possession de leur héritage Simplement pour la simple raison qu'ils ont été incrédules et qu'ils ont manqué de foi. Frères et sœurs, c'est la même chose dans nos vies. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons manifester la foi. Nous devons croire en la parole de Dieu. Parce que la foi est le seul moyen qui nous permet de nous saisir des promesses de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce qu'est la foi. Et les Israélites, 40 ans plus tôt, quand ils ont eu cette confession négative, quand ils se sont plaints, quand ils ont critiqué, quand ils ont dit Ce sont des géants, nous sommes des sauterelles à leurs yeux, ce pays est fort, ces villes sont fortifiées, les murailles sont hautes, il y a des fils de Hanak, de la race des géants, ils vont nous tuer, ils vont nous dévorer. Il manquait de foi en Dieu, il manquait de confiance en Dieu. Et beaucoup de personnes, en lisant cette histoire, pensent que Dieu est simplement un Dieu capricieux, qui est là, du haut de son trône, à dire, ils n'ont pas eu foi en moi, alors ils ne rentreront pas, c'est comme ça, et point barre. Mais la foi, avant tout, c'est vrai qu'elle plaît à Dieu, qu'elle lui est agréable, parce qu'on compte sur lui, on croit en sa puissance, on croit qu'il va intervenir, mais nous devons comprendre le mécanisme de la foi. La foi, avant toute chose, est un cadeau, un don extraordinaire que Dieu nous a fait un outil qu'il nous a donné pour opérer dans le monde spirituel. La foi est le seul moyen, la seule chose qui relie et qui crée un pont entre le monde invisible et le monde visible. La foi est le seul moyen de connecter la parole de Dieu à la réalité physique. La foi est le seul outil que Dieu nous a donné pour permettre au monde spirituel invisible d'intervenir dans le monde visible. Et on doit comprendre cela. La foi n'est pas pour satisfaire un caprice de Dieu. La foi est avant tout un outil que Dieu nous a donné. La foi est une porte que l'on ouvre entre le monde spirituel, le monde invisible et le monde visible. La foi, c'est cette porte que l'on ouvre qui permet à Dieu aux anges de Dieu et au Saint-Esprit d'intervenir dans le monde physique et de manifester les promesses que Dieu a données dans le monde invisible. Et Israël n'avait pas compris cela. Smith Wigglesworth, un grand homme de Dieu, a dit, la foi est simplement la porte par laquelle entre le Seigneur. Vous ouvrez la porte à Dieu par la foi et Dieu fait tout ce que vous lui demandez. On doit comprendre cela, frères et sœurs. Je l'ai enseigné dans des réunions que j'ai faites à Montréal à plusieurs reprises ces derniers temps, et j'ai vu des gens être surpris des résultats qu'ils obtenaient par eux-mêmes. Des gros miracles, parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont arrêté de se dire, ah mais Dieu ne veut pas, Dieu me juge, Dieu trouve que je manque de foi. Ce n'est pas une histoire si... Dieu est un Dieu capricieux en train de voir si on a la foi ou pas. Non, Dieu lui-même a utilisé la foi et Dieu lui-même utilise la foi. Voilà pourquoi dans Marc au chapitre 11, Jésus va dire, littéralement, c'est écrit, ayez en vous le même type de foi que Dieu a. Manifestez le même type de foi que Dieu lui-même manifeste. Donc la foi, Dieu lui-même l'utilise. Pourquoi il l'utilise mais pour intervenir dans ce monde, avant que Dieu ne passe par les hommes. Quand Dieu a créé ce monde, la Bible dit dans Genèse au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu ici, à parler la parole de la foi. Jésus dit dans Marc 11, lorsque vous exigez quelque chose, lorsque vous déclarez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et cela vous sera accordé. C'est ça la foi. La foi, c'est cette ferme assurance que ce que l'on déclare, on croit que cela va arriver. Et quand on le croit avec une ferme assurance, cela se produit et cela se manifeste. Et ça, c'est une réalité spirituelle et c'est le mécanisme de la foi, frères et sœurs. Et Israël avait besoin de manifester la foi pour que les anges de Dieu et que le Saint-Esprit puissent, par la porte qu'ils ouvrent, intervenir et leur donner l'héritage promis. Mais s'ils n'ouvraient pas la porte, comment Dieu aurait pu intervenir Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit... Il envoie sa parole. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui a créé la lumière. Lorsqu'on dit, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri, ce n'est pas cette parole qui nous guérit directement. Ce n'est pas la parole de Dieu quand Dieu a dit que la lumière soit qui a créé la lumière directement. Oui, elle est à la source de la création. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu sait, et Dieu manifeste la foi. Je sais que je sais que je sais que ma parole est suprême, que ma parole est vérité, que ma parole est toute autorité. Ce que je dis arrive. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Et Dieu croit que quand il dit la parole, que la lumière soit, Dieu peut se retourner, c'est fini, c'est fait. Il manifeste la foi. Qu'est-ce qu'il fait Lui-même manifeste la foi pour lui-même. Il ouvre la porte entre le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible où se trouve sa parole. La porte s'ouvre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe La Bible prend le temps de nous dire que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est toujours là, près de la parole de Dieu, à intervenir sur la parole de Dieu. Et il ne permettra jamais à ce que la parole de Dieu ne soit pas exaucée. Il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et les anges de Dieu sont aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand Dieu dit que la lumière soit, le Saint-Esprit est là. Où Dieu a parlé toujours en accord, toujours fidèle à sa parole, et là il est là et il dit, OK, on va accomplir ce pourquoi la parole de Dieu a été envoyée. Dieu ouvre lui-même la porte pour lui-même. Le Saint-Esprit entre dans le monde visible et manifeste ce qu'on appelle la lumière en créant le soleil. Ça, c'est le mécanisme de la foi. Et parfois, on ne comprend pas simplement ce mécanisme. Et Israël n'a pas compris que la foi, avant tout, était un outil et non pas un caprice qu'il fallait satisfaire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a donné à chacun de nous la foi. Il vous a donné la foi et vous l'avez la foi. On a tous reçu une mesure de foi précieuse, nous dit la Bible. Nous l'avons. Et pourquoi Dieu est en colère Parce que nous l'avons et nous ne le croyons pas. Israël pouvait croire Dieu. Ils ont fait le choix de ne pas croire Dieu. Israël pouvait ouvrir la porte de la foi aux anges et au Saint-Esprit, mais ils ont fait le choix de ne pas l'ouvrir. Je vais vous expliquer encore un peu pour le, le mécanisme de la foi. Regardez Pierre. Pierre est là et il voit Jésus, il y a la tempête, il y a le vent, il y a les vagues, la tempête est là, ils sont en train de couler dans le bateau et puis tout d'un coup ils voient Jésus qui arrive sur les eaux. Et puis ils croient que c'est un fantôme et puis Jésus leur dit que c'est lui et Pierre va dire, Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je marche sur les eaux et que je vienne vers toi. Alors je saurai que c'est toi Jésus. Donc ici, Pierre a une promesse. Pierre a une parole de Dieu. Pierre a son Canaan. Un petit Canaan, mais il en a un. Marche sur les eaux. Jésus a envoyé sa parole. Il lui dit, viens. N'est-ce pas La parole est envoyée. Jésus bénit Pierre. Viens Pierre, marche sur les eaux. Pierre croit. Au moment où Pierre croit, il est fermement convaincu que ce que il veut va s'accomplir. Ce qu'il a demandé, exigé, réclamé s'accomplit parce que la parole de Dieu dit que oui, je le veux, viens, marche. Donc, il va commencer à marcher sur les eaux. Et qu'est-ce qui se passe La Bible dit que Pierre a commencé à regarder le vent, il a commencé à regarder les vagues et il eut peur. Et au moment où il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Vous comprenez vous comprenez comment opère la foi Il a eu la parole de Dieu. Il a commencé à croire, il a ouvert la porte de la foi. Les anges de Dieu ou le Saint-Esprit ont pu intervenir dans le monde visible, dans le monde physique, pour faire solidifier l'eau sous les pieds de Pierre. Mais au moment où Pierre referme la foi par le doute, par la crainte, par la peur, qu'est-ce qui se passe Le surnaturel s'arrête. Et là, on comprend une chose, frères et sœurs, Dieu a fait sa part et il ne fera rien de plus. Mais les anges sont là, avec la porte qui est là, et ils attendent de pouvoir intervenir. Le Saint-Esprit attend. Quand est-ce qu'ils ouvriront la porte Voilà pourquoi la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu Ceux qui sont comme le Père Qui sont comme le Père Ceux qui manifestent la foi du Père Donc la création tout entière, depuis 2000 ans, attend que vous et moi, nous manifestions le même type de foi que Dieu manifeste. Les anges sont au chômage. Le Saint-Esprit est là, ils disent, mais quand pourra-t-on opérer sur la terre Qui va ouvrir la porte de la foi Et si peu de personnes l'ouvrent, voilà pourquoi je ne peux intervenir. Voilà pourquoi je n'arrive pas à intervenir. La Bible dit dans Hébreu, au chapitre 11, versets 1 à 3, Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible a été créé par l'invisible. Ça veut dire que le monde invisible est supérieur au monde visible. Ça veut dire que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Ça veut dire que la parole de Dieu est supérieure à la parole du médecin. Ça veut dire que la parole de Dieu est supérieure à tout ce que crient les circonstances de nos vies. Ça veut dire qu'elle est plus réelle et plus tangible parce que c'est elle qui a créé toutes ces choses dans ce monde. C'est par elle que toutes ces choses subsistent. C'est elle qui soutient toutes choses dans ce monde, nous dit la Bible. Elle est permanente, invisible et puissante. C'est la parole de Dieu. Elle est plus réelle. Mais quand on est dans le monde, on nous a appris, depuis qu'on est né, à fonctionner avec nos sens et à regarder à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent, ce que nos mains peuvent toucher, et on est là et on observe. Et c'est ce que les Israélites ont fait. Pourquoi n'ont ils pas pu entrer? Pourquoi n'ont ils pas eu cet esprit de foi que Caleb a eu et la majorité du peuple ne l'a pas eu? Parce qu'ils ont eu peur des conséquences. Ils ont eu peur de ce qu'ils ont vu et entendu. Et cela a créé de la peur en eux. Et cela a paralysé leur foi. Comme Jésus a dit à Pierre :« Pierre, pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté ?» Le peuple a eu peur. Il a dit :« Le peuple. » Il disait :« Le peuple se compose. » que nous avons visité ce qu'on d'hommes d'une haute taille, des géants, fils d'Anak. Nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Ce pays est puissant, ces villes sont fortifiées, grandes de murailles. Le peuple a eu peur parce qu'il a considéré ce que ses yeux voyaient et ce que ses oreilles entendaient, comme on nous dit depuis le début, comme on a appris. Mais le jour où on est né de nouveaux frères et sœurs, le jour où on est entré dans le royaume de Dieu, on a commencé à apprendre autrement. On est rentré dans une réalité invisible, le royaume de Dieu. Et on doit apprendre à ne pas fonctionner par la vue, mais à fonctionner par la foi. Comme l'apôtre Paul disait, je marche non par la vue, mais je marche par la foi. Et il faut apprendre à ne pas considérer ce que nos yeux voient, mais apprendre à considérer les réalités invisibles, parce qu'on est dans un royaume invisible et que ce royaume est supérieur. Souvenez-vous de Élisée lorsque des armées entières venaient l'attaquer et que son serviteur disait "Mais qu'est-ce qu'on va faire Regarde toutes ces armées." Élisée a dit "Ouvre, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit." Et il y avait toute une armée invisible d'anges de Dieu, ils étaient supérieurs en nombre et ils allaient détruire l'armée de l'ennemi. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, il y a un monde invisible supérieur au monde visible et on doit fixer nos yeux sur ce monde invisible. Si on ne le fait pas, si on ne s'éduque pas, qu'est-ce qui se passe Notre compte bancaire crie "T'es dans le rouge." Et la parole de Dieu dit "Par les meurtris, euh, la parole de Dieu dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus Christ." Donc, il y a ceux qui regardent à la promesse de Dieu, et il y a ceux qui vont regarder et considérer. Vous savez, regarder, ce n'est pas un problème. On regarde tous, on voit tous, mais il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui considèrent. Le problème, c'est qu'on commence à considérer. Considérer, c'est s'arrêter sur ce que nos yeux voient et penser aux conséquences. Oh, mon compte bancaire est dans le rouge. Comment je vais faire pour payer ma facture Oh, j'ai des dettes. Comment je vais faire Oh, mon couple se dispute. Comment je vais faire Oh, mon couple est divorcé. Mais comment je vais faire Oh, ceci, cela, et on pense aux conséquences et on a peur. Oh, j'ai des symptômes dans mon corps. Oh, le médecin m'a dit que. Oh, je n'ai pas de promotion ni d'avenir dans mes finances. Oh, ma situation au travail ne change pas. Tout semble être la même chose. On est là, on considère dans le naturel, et cela crée en nous de la peur et du doute. C'est pour cela que le peuple n'est pas entré en possession de Canaan tout de suite, parce qu'ils ont considéré ce que leurs yeux ont vu. Frères et sœurs, dis à ton voisin, ne considère jamais ce que tes yeux voient, mais fixe tes yeux sur la parole de Dieu. Notre ennemi numéro un, c'est la peur qui naît de la considération que nous accordons à ceux que nous voyons et entendons dans le monde visible. Notre ennemi numéro un, c'est la peur qui naît en nous de la considération que nous accordons aux choses que nous voyons dans le monde visible et que nous entendons dans le monde visible. C'est cela qui tue notre foi. Regardez Pierre. Pierre était là. Il commençait par la foi. Il a ouvert la porte de la foi. Le surnaturel, le ciel était en train d'opérer pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a considéré le vent. Il a considéré la tempête. Il a eu peur. La porte s'est refermée. Et le miracle ne pouvait plus se faire. Les anges de Dieu et le Saint-Esprit ne pouvaient plus opérer pour accomplir la parole de Dieu qui avait été envoyée. Pierre vient et marche sur les eaux. Voyez c'est cela à la fois, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous parler d'un autre homme maintenant, Abraham. Abraham avait commis une erreur. Il avait considéré le naturel au début. Dieu lui avait promis une descendance. Il avait regardé au naturel et il s'est dit Bon, je vais donner un coup de pouce à Dieu et je vais aller vers Agar, sa servante, et s'y a donné Ismaël, etc. Et dans la promesse de Dieu, Dieu voulait qu'il ait un fils avec sa femme Sarah qui s'appellerait Isaac. Et Abraham a commis une erreur et ça lui a pris du temps, puis il a réalisé son erreur. Et puis quand Dieu est revenu lui parler et lui faire la promesse, « Dans un an, je reviendrai et ta femme sera enceinte, Sarah. » Sarah souriait et disait, « Mais comment aurais-je encore des désirs ?» C'était un miracle qu'il fallait. La Bible dit dans Romains, au chapitre 4, « Abraham ne considéra point son corps déjà usé, ni le sein de sa femme atteint par la mort. » Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà un homme, Pierre, qui avait ses yeux fixés sur la parole de Dieu, sur la promesse de Jésus, vient et marche. Et le miraculeux s'opère parce qu'il est les yeux fixés sur la promesse, à considérer la promesse. Et puis au moment où il se détourne et il considère le naturel, il ferme la porte de la foi et son monde s'écroule. Et voilà un autre homme Abraham qui a tiré une leçon de son premier échec et quand la parole de Dieu est envoyée non cette fois je ne réagirai plus de la même façon je ne considérerai plus ce que mes yeux voient il ne considéra pas son corps déjà usé ni le corps de sa femme atteint par la mort c'est dans Romains au chapitre 4 mais il donna gloire à Dieu fortifié par la foi il est allé vers Sarah ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Isaac est né C'est ça la foi frères et sœurs et vous voyez ce qui a empêché le peuple d'entrer dans leurs promesses, ça a été ça, la peur. La peur parce qu'ils ont regardé aux choses visibles. Oh, je prie vraiment que cette année, nous puissions ne plus jamais regarder aux visibles. Nous puissions ne plus considérer ce que nos yeux voient. Vous savez, dans ce monde, on parle du cancer. Tout le monde a peur d'avoir le cancer. Vous savez, je crois que le cancer n'est pas lié au fait qu'il y ait des ondes dans les téléphones. Aujourd'hui, on ne veut plus mettre nos téléphones sur nous parce que c'est cancérigène. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir de micro-ondes chez nous parce que c'est cancérigène. Aujourd'hui, on ne peut plus circuler dans la rue parce que la pollution est cancérigène. Aujourd'hui, on ne peut plus manger autre chose que des choses bio parce que ce qu'on met sur les fruits sont cancérigènes. Tout est cancérigène. Il faudrait sortir de ce monde pour ne pas avoir le cancer. Et on voit autour de nous beaucoup de gens qui meurent du cancer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens meurent ou attrapent des cancers et ça devient un fléau. Alors les compagnies d'assurance s'enrichissent, ils disent, ah vous savez, ils vous appellent, on m'a encore appelé, la banquière me le disait, j'ai encore reçu des appels il y a deux semaines, est-ce que vous voulez souscrire à une assurance vie Maintenant c'est clair, je leur dis, comme je vous l'ai déjà dit, je leur dis, mon assurance vie, c'est Dieu. Mais ils sont là et ils veulent vous dire, mais monsieur Lebeau, mais vous imaginez pas si vous mourrez demain, si vous attrapez un cancer demain. Ce que le diable essaye de faire. C'est de nous amener à réaliser les choses visibles qu'on entend et qu'on voit autour de nous. Et la crainte s'empare des cœurs. Au lieu de considérer ce que dit la parole de Dieu, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes en bonne santé et nous sommes guéris. Ça, c'est la vérité. Frères et sœurs, un grand nombre de problèmes seraient réglés dans notre vie si nous passions notre temps au lieu de regarder notre compte bancaire dans le négatif, au lieu de regarder les disputes et les manquements chez notre conjoint, au lieu de regarder à toutes ces choses dans le monde visible qui ne vont pas dans votre vie, mais qu'on prenne le temps de plonger nos regards dans la parole de vie et de se dire Seigneur, qu'est-ce que dit ta parole Je ne veux pas considérer ce que mes yeux voient et ce que mes oreilles entendent, ce qui compte, c'est ce que dit ta parole. Abraham n'a pas considéré son corps déjà usé. Ni le sein de sa femme, déjà atteint par la mort, mais il donne à gloire à Dieu, fortifié par la foi, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Oh, frères et sœurs, plongeons nos regards dans les promesses de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Personne ne peut considérer la parole de Dieu à votre place. Personne ne peut s'en imprégner à votre place. Personne ne peut s'arrêter, la regarder et dire Seigneur, c'est merveilleux ta parole, c'est ce qu'elle dit, je le crois, elle est pour moi. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Israël avait une mauvaise perception des épreuves. Quand Israël voyait une épreuve, ils ont eu dix épreuves dans le désert. Il y avait les eaux de Marah, je crois, qui étaient pas bonnes. Elles étaient amères. Il y a eu un moment où ils avaient soif et Dieu a dû faire venir un rocher. Il y a eu le moment où ils n'avaient plus de nourriture, il y avait la manne. Après, il y a le moment où ils avaient la manne, ils manquaient de manne. Après, le moment où ils en avaient marre de la manne, ils voulaient des cailles. Bref, à chaque fois, il y avait une bonne raison pour eux de se lamenter dans les épreuves. Et puis, il y a eu cette fameuse épreuve de Canaan. Il fallait conquérir ce territoire. Et là encore, ils se sont lamentés. Ils ont considéré l'épreuve comme un échec. Ils ont considéré l'épreuve comme une défaite. Ils ont considéré l'épreuve comme un temps de souffrance et de difficulté. Mais il y avait un homme animé d'un autre esprit, Caleb, et un autre homme, Josué, qui, eux, ont considéré cette épreuve avec joie parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et si Dieu est avec moi, dites-moi, qui pourra être contre moi Si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous ils avaient cette mentalité de plus que vainqueur alors face à l'épreuve. Donc l'épreuve était, comme Jacques le dit, un sujet de joie. Mes frères, considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de joie. Parce qu'ils savaient qu'ils savaient qu'ils qu qu avaient la victoire. Comment ne pourrions-nous pas avoir la victoire si Dieu est avec nous Et puis il y en avait d'autres. Ils considéraient les épreuves comme des temps difficiles. Frères et sœurs, les épreuves par lesquelles vous passez devraient être un sujet de réjouissance pour vous parce que vous savez que Dieu vous a donné les clés pour la victoire. Parce que vous savez que si vous manifestez la foi qu'il faut, si vous ouvrez la porte de la foi et vous persévérez dans la foi, la victoire est à vous. Il ne peut en être autrement parce que la foi n'échoue jamais. Il est impossible que Dieu déçoive quelqu'un qui manifeste la foi. Dieu passera au-dessus d'un million de personnes pour la personne qui ouvre la porte de la foi, parce que depuis 2000 ans, le ciel est ouvert et le ciel attend que les enfants de Dieu manifestent la foi. Elle est là la clé. Pourquoi avons-nous peur des épreuves Pourquoi avons-nous peur du cancer Pourquoi avons-nous peur de la maladie Pourquoi avons-nous peur des défis Les défis ne sont que victoires pour nous. Les défis ne sont que victoires pour vous. Les défis ne sont que remportés pour vous parce que vous êtes des plus que vainqueurs. Vous avez le nom de Jésus. La victoire est en vous, frères et sœurs. Alors, ils avaient peur des épreuves et d'un autre côté, il y avait des gens qui se réjouissaient face à l'épreuve. Nous avons la victoire parce que Dieu est avec nous. Il faut commencer à sourire face aux épreuves. Vraiment il faut commencer à se réjouir. Voilà une, un moyen de plus de grandir dans la foi. Cette épreuve n'affaiblira pas ma foi. Cette épreuve la fortifiera parce que je sais, que je sais, que je sais, que mon Dieu me donnera la victoire. Ils avaient une mauvaise perception des épreuves. Caleb, lui, avait une autre perception. Caleb s'est souvenu des victoires passées qu'il a eues avec Dieu. Caleb s'est souvenu de la mer rouge qui s'est ouverte en deux. Caleb s'est souvenu de la manne qui est tombée du ciel. Caleb s'est souvenu du rocher spirituel auquel ils étaient abreuvés de cette eau sortée. Caleb s'est souvenu des grands miracles que Dieu avait fait dans la vie de ses ancêtres et de ses pères quand il lisait les récits de la Torah. Frères et sœurs, Caleb savait. Caleb se souvenait. Caleb considérait les victoires. Et ces victoires qu'il considérait fortifiaient sa foi. Et il savait qu'une fois de plus, Dieu allait lui donner la victoire. Mais combien de fois, face à une épreuve, nous considérons nos échecs au lieu de considérer les victoires Le roi David, souvenez-vous. Quand il s'est retrouvé en face de ce géant Goliath, tout le monde avait peur. Ce géant va nous tuer, ce géant va nous terrasser. David est arrivé, petit comme il était, sans armure, avec une fronde et cinq pierres. Et il s'est retrouvé devant euh, Saül, le roi. Et Saül lui a dit Mais tu n'es qu'un jeune homme, il va te manger, il va te terrasser, il va te tuer. Et qu'est-ce que David lui a dit Il lui a dit Alors que ton serviteur David faisait paître les brebis, de son père, et qu'un lion et qu'un ours venaient pour voler une brebis. Je courais après lui avec un bâton et je frappais l'ours et le lion et j'arrachais la brebis de sa gueule. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera de la grippe du lion, je crois, ou de... Bref, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera aussi de ce Philistin incirconcis. Frères et sœurs, au moment où vous êtes passés par ces épreuves, vous devez aller considérer les victoires que vous avez eues. Souvenez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie. Souvenez-vous comment Dieu vous a donné cette victoire. Souvenez-vous comment Dieu a pourvu à vos besoins. Souvenez-vous comment Dieu a... a, a à exaucer vos prières. Souvenez-vous comment Dieu vous a utilisé. À ce moment-là, la foi va naître dans votre cœur. David s'est souvenu, Caleb s'est souvenu, et ils ont pu avoir la foi. J'aimerais vous dire un grand secret que j'ai découvert à travers la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est retrouvé en face de Corinthiens. Jésus l'avait envoyé prêcher l'évangile et la bonne nouvelle. Et c'était une chose, les gens, les, les Corinthiens étaient des non-juifs, ils ne connaissaient rien à l'histoire des juifs, à, à l'histoire de Dieu, etc. Il fallait leur démontrer que Jésus-Christ, ce nom qu'ils entendaient, était réellement le Dieu, alors qu'ils avaient toutes sortes de divinités. Et l'apôtre Paul était en face de cette foule. Il a dit J'étais au milieu d'eux avec des grands tremblements et une grande crainte, mais je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Afin que ma prédication ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, l'apôtre Paul est allé puiser la foi dans l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, la source véritable de votre foi, la plus profonde, la plus grande, la plus forte, ce sera lorsque vous considérerez ce que Jésus a accompli à la croix pour vous. L'apôtre Paul savait qu'il fallait démontrer la puissance de Dieu. L'apôtre Paul savait qu'il fallait démontrer les miracles à ce moment-là. Et qu'est-ce que Paul a fait Il s'est souvenu de Jésus-Christ crucifié à la croix, parce que c'est à ce moment-là que la parole de Dieu a été libérée. C'est à ce moment-là, à la croix, que Dieu a béni. Et il dira, la prédication de la croix est une folie pour les Grecs. Elle est un scandale pour les Juifs, mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, quel que soit votre défi, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quel que soit le miracle dont vous avez besoin, j'aimerais vous dire, souvenez-vous de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix comme Paul l'a fait. La croix, c'est le commencement de notre victoire. La croix, c'est le moment où Dieu laisse pour la première fois depuis toute l'humanité libre cours à son amour et que Dieu bénit les hommes en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été à la croix, son sang a coulé. Lorsque son sang a coulé, le pardon des péchés est devenu accessible et la justice de Dieu a été satisfaite. Et la justice de Dieu a été satisfaite. Et dans sa sainteté, il a dit, enfin, je peux laisser libre cours à mon amour. Le pardon, le prix que nécessitait le pardon des péchés a été payé par Jésus-Christ. Son sang a coulé. Justice est faite. Je libère le pardon à tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus. Et Dieu le Père a parlé dans le ciel. Et tous les anges ont entendu. Tout le monde savait, le pardon est maintenant accessible à tous les hommes qui se tourneront vers Jésus. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, à la croix. Il a été meurtri, ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués, il a été flagellé. son dos a été labouré, semblable à un champ, son visage n'avait même plus l'apparence d'un visage de fils de l'homme, tellement il était défiguré. Ce n'était pas en vain, c'était pour que par les meurtrissures qu'il subissait, la guérison soit libérée à tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus. Et à ce moment-là, Dieu a dit, justice est faite, je libère la guérison à tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés, sozo, guéris, délivrés. Dieu, à la croix, a parlé et a libéré sa parole. Jésus ne s'est pas arrêté là. De riche qu'il était, il s'est appauvri, il s'est humilié, au point d'être humilié comme aucun des rois de la terre n'a été humilié. Lui qui était le roi des rois, on lui a mis une couronne d'épines. Et la Bible dit que c'est par sa pauvreté que nous avons été enrichis. À ce moment-là, justice a été accomplie pour que Dieu libère la provision abondante pour chacun de nous au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, la Bible dit dans 1 Corinthiens, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de te demander est-ce que Dieu veut me bénir Est-ce que Dieu veut me guérir Est-ce que Dieu veut m'exaucer Il dit oui, je le veux, j'ai payé le prix pour. Mon sang a coulé, mes meurtrissures, par mes meurtrissures, tu es guéri. Mon sang a coulé pour le pardon de tes péchés et j'ai été humilié, j'ai été appauvri pour que tu sois enrichi. Un salut complet, un salut parfait, tout est oui et amen en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne se posait pas la question de savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Si Jésus est mort, il est mort pour qu'on soit guéri. Alors ils seront guéris. Si Jésus est mort, il est mort pour qu'il soit pardonné. Alors ils seront pardonnés. Si Jésus a été humilié de la sorte, c'est pour qu'il soit pourvu. Alors oui, ils seront pourvus. Il est impossible que le Fils de Dieu ait payé le prix à cette croix sans que cette croix on en ait les bénéfices aujourd'hui. Frères et sœurs, quand on arrive à un stade où on est fatigué, où on est déterminé, où on se dit non, 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 trop, c'en est trop, mon Sauveur est mort sur cette croix pour que je sois en bonne santé. Mon Sauveur est mort pour que je sois pourvu. Mon Sauveur a payé le prix, il a été maudit pour que je sois béni. À ce moment-là, à la croix, Dieu a béni l'homme. Et on retrouve cette parole de Éphésiens 1,3. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes. Oui, Dieu a parlé et a béni les anges depuis 2000 ans. Et le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, qu'on parle. Dieu a dit qu'il a mis dans notre bouche la parole de la foi. Il a dit tout ce que vous lirez sur la terre. Je le délierai, je le lirai dans le monde spirituel. Tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le monde spirituel. Certaines traductions disent a déjà été fait dans le monde spirituel. Dieu attend qu'on parle la parole de la foi. Dieu attend. J'étais à Montréal il y a quelque temps. Il y a une femme qui à la fin de la réunion a prié. Elle devait se faire opérer de la cataracte. Ses yeux ont été guéris totalement il y a quelques semaines. Elle a cru, elle a parlé, elle a déclaré, elle a été guérie. Je termine là, frères et sœurs. Je sais que l'épreuve est difficile. On passe tous par des épreuves. Et il y en aura toujours des épreuves. Mais je sais une chose, c'est que ceux qui feront appel à Jésus, avec foi, ne seront pas confus dans l'épreuve. Parce qu'il nous donne les clés de la victoire. Parce qu'en son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous ne pouvons pas échouer. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes une nouvelle création. Parce que les promesses de Dieu sont à nous. Il ne suffisait pas pour eux d'entrer dans la terre de la promesse à Canaan et d'attendre que Dieu fasse tout pour eux. Ils ont dû la conquérir. Peut-être que face aux épreuves de ta vie, tu as décidé d'abandonner le combat. Tu as décidé d'arrêter de te battre. Tu as décidé d'arrêter le combat de la foi parce que c'était trop difficile. Alors, tu t'es tourné vers des plans B, des solutions B, qui finalement ne te guérissent qu'en partie. Tu t'es tourné vers des plans B qui finalement ne peuvent pas vraiment t'aider, des solutions humaines qui t'ont même encore plus lié. Mais il est temps, frères et sœurs, de croire que cette année, c'est une saison nouvelle pour ta vie. Il est temps de croire que Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, est vérité. Et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Mais tout dépend de la manière dont nous allons ouvrir la porte de la foi. Tout dépend de la manière dont tu vas parler la parole de la foi. Caleb était là en face de cette montagne 45 ans plus tard, âgé de 85 ans. Il dit au verset 10, Maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des anakims et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Caleb, ici, je termine à manifester une parole de foi. Dieu nous a promis, dans le monde spirituel on est béni, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce que Dieu a promis et le degré de prospérité dans lequel on est censé marcher aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde invisible, là où la parole de Dieu a été envoyée et que les anges attendent et le Saint-Esprit attend qu'on manifeste la foi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ces promesses que Dieu a déclarées dans le monde invisible, se manifeste aujourd'hui concrètement dans ma vie d'aujourd'hui pour que je sois pourvu en toutes choses. Et là, Caleb, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à parler et à dire, oui, Dieu m'a donné, Dieu a parlé et Dieu a dit que j'aurai cette montagne. Alors, je la réclame. Frères et sœurs, nous devons réclamer notre héritage. Je ne sais pas comment vous passez vos journées. Je ne sais pas si le matin, vous pensez à ce que vous pourrez avoir de plus dans votre vie. Je ne sais pas si vous pensez à ce que vous pouvez faire de plus, peut-être même dans votre ministère pour les autres, peut-être pour votre propre vie, pour vos besoins personnels. Je ne sais pas si vous y pensez, mais vous devez y penser parce qu'il y a un héritage pour nous, mais il faut le réclamer. On ne peut pas se contenter d'attendre qu'un matin, un jour particulier, le Seigneur se lève et qu'une parole nous soit adressée du ciel en disant, Voici, j'ai viré un million de dollars sur ton compte bancaire. Voici ce matin, je t'ai guéri tout seul. Non, ça ne s'est pas passé comme ça pour eux. Caleb savait que Dieu avait promis et qu'il aurait la victoire et que ce ne serait pas son combat seul, mais que Dieu combattrait pour lui. Mais Caleb savait qu'il fallait le réclamer. Frères et sœurs, vous devez toujours réclamer votre héritage. Vous devez toujours réclamer ce qui vous appartient. Si vous avez des problèmes de finances, vous devez parler la parole de Dieu, la confesser et exiger, réclamer ce que vous voulez. Jésus a dit, tout ce que vous exigerez a été au, tout ce que vous déclarez, tout ce que vous recommanderez, tout ce que vous appellerez à l'existence, croyez que vous l'avez reçu et cela s'accomplira et vous le verrez s'accomplir et cela vous sera accordé. C'est ça la foi. Il faut parler, parler sur votre situation, parler à vos montagnes de problèmes et dites-leur ce que vous voulez qu'elles fassent. Amen. Amen. Combien d'entre vous avez des, un besoin particulier Levez la main. Ce besoin. Votre compte bancaire est vide. Dites par Jésus-Christ, mon compte bancaire se remplit. Satan, tu lâches tes sales pattes de mes finances au nom de Jésus, parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Puis après, vous rentrez dans l'action de grâce. Seigneur, je te remercie parce que tu remplis mon compte bancaire, parce que d'une manière surnaturelle, tu pourvois à mes besoins. Et Dieu le fait. Mais peu d'entre nous, nous parlons la parole de la foi. Pourtant, l'apôtre Paul dit Comment opère la justice de la foi La parole de la foi est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Tu commences à croire dans ton cœur, maintenant il faut parler et déclarer J'exige cela au nom de Jésus. C'est mon héritage. Caleb a dit Cette montagne est à moi. Il l'a réclamée et il l'a eue. Non seulement il a parlé à la parole de Dieu, non seulement il a appelé les promesses de Dieu à l'existence, au nom de Jésus. Nous pouvons le faire. Mais il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne s'agit pas simplement de parler, frères et sœurs. Il s'agit de commencer à manifester ce que vous ne pouvez pas faire. Caleb ne pouvait pas conquérir par lui-même cette montagne. Il avait juste une parole de Dieu. Et sur cette parole, il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire, avec une poignée d'hommes plus faibles. De sa tribu, il est allé face à cette montagne, il est allé face à ces géants, certainement qui se disaient, Seigneur, si tu es avec moi, je sais que tu es avec moi, parce que si tu n'es pas avec moi, je vais être terrassé. Mais il a cru. Il a cru au point de démontrer sa foi. Il a cru au point de manifester ce qu'il ne pouvait pas manifester par lui-même, par ses propres forces. Il s'est exposé lui-même. Frères et sœurs, vous devez prendre des risques dans la foi. Parfois, quand on passe par la maladie, c'est difficile. Parfois, parce qu'on passe par des épreuves, c'est difficile. Il y a des conséquences tous les jours dans nos vies. Et on a envie d'abandonner. On a envie de se tourner vers de la Messine uniquement. On a envie d'abandonner le combat de la foi. Mais il ne faut pas. Il faut chaque jour essayer de faire ce que votre cœur ne vous permet pas de faire. Il faut chaque jour essayer de manifester ce que vous ne pouvez pas manifester par vous-même. Si, si, vous, si vous avez besoin d'argent, par exemple, il faut que vous commenciez à faire des pas de foi au niveau des finances. Il faut que vous commenciez à semer et à donner même ce que vous n'avez pas. Il faut commencer à mettre Dieu à l'épreuve. Il faut commencer à vivre comme si vous savez que Dieu vous avait déjà donné ce dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Et quand vous le faites, frères et sœurs, quand on le fait, c'est là que Dieu est au rendez-vous et qu'on ouvre la porte de la foi. La foi n'est pas simplement croire du cœur, la foi est aussi une démonstration, une ferme assurance de ce que l'on possède déjà. Vous comprenez Vous connaissez cette histoire des deux fermiers qui voulaient de la pluie Il y en a un qui a prié, l'autre aussi a prié, mais il n'y en a qu'un qui a pris le temps de préparer son champ. Et la pluie est tombée sur la terre de celui qui a préparé son champ et c'est terminé là face à l'adversité on a souvent tendance à abandonner et caleb quand il est allé à cette, face à cette montagne il a fait preuve de résistance très certainement il s'est retrouvé en face de ces géants il fallait pas fuir il fallait résister la bible dit soumettez-vous à dieu résistez au diable et il s'en ira loin de vous n'abandonnez jamais le combat de la foi le problème ce n'est pas que Dieu ne veut pas intervenir. Le problème, c'est qu'on referme la porte de la foi trop tôt. Nous devons laisser cette porte ouverte. C'est par la foi et la persévérance dans la foi qu'on hérite des promesses de Dieu. Mon épouse et moi, on est passé par des épreuves difficiles. Je me souviens notamment de l'épreuve de notre fils. Et ma femme a fait preuve d'une détermination dans la foi exemplaire, qui me rappelait la, la détermination de la foi de cette. Euh, cette femme syrophénicienne, qui, Jésus lui a dit non, je ne veux pas guérir ta, ta, ta fille qui a des mauvais esprits. Je suis venu pour les Juifs et tu n'es pas Juif. Ton temps viendra plus tard entre guillemets. Mais cette femme a dit, elle a fait preuve de détermination. Elle a dit bah nous les chiens, on se contente des miettes. Alors donne-moi les miettes. Et Jésus, elle a ouvert la porte de la foi. Jésus a dit à cause de ta foi, à cause de cette parole, voici ton miracle. Caleb a manifesté la foi. Cette femme a manifesté de la résistance. Il faut manifester de la résistance face à l'adversité. Le diable ne veut pas. Mais si tu abandonnes, ta foi sera affaiblie. Et tu ne pourras jamais conquérir de plus grandes montagnes ou gravir de plus hautes montagnes. Mais si tu réussis cette épreuve, si tu la réussis parce que tu persévères dans la foi et au nom de Jésus, tu t'accapares la promesse de Dieu, ta foi sera plus grande. Pour de plus grands défis et tu pourras même aider les autres et aller de gloire en gloire avec Dieu. Il ne faut jamais abandonner. Moi, j'avais presque décidé d'abandonner pour euh, notre fils. Et un soir, ma femme écoutait le CD de Pasteur Mathilde, devant de guérison, et euh, elle, a, elle a commencé à manifester des paroles de foi. Elle a dit C'est fini, Satan, c'est fini au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini. Jésus a payé le prix. Notre fils est guéri maintenant. Ça faisait cinq mois, je crois, qu'on luttait. Il a été guéri ce soir-là. Et ce n'est plus jamais revenu à cause de la résistance. Si on avait abandonné, qu'est-ce qu'il en est? Combien de fois, quand on œuvre pour Dieu, qu'on s'accroche aux promesses de Dieu, la promesse tarde et on abandonne? On arrête le combat de la foi. Mes frères et sœurs, on doit persévérer. Résistez, résistez, résistez. Chaque fois que face à l'adversité, vous ne considérez pas l'adversité, vous ne considérez pas ce que vos yeux voient, mais que vous persévérez dans la foi, vous accrochez, vous avancez, vous êtes en train de muscler, de fortifier votre foi et de la rendre plus forte. N'abandonnez jamais, vous aurez la victoire. Je prophétise au nom de Jésus que cette année est l'année de la victoire, l'année de votre nouvelle saison, l'année de votre provision. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît Si le groupe de l'équipe de la Louange veut venir, je suis fort. Enfin, je plaisante. Quoique Gwen, il, il en meurt d'envie. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous dit comme Caleb, je te dis. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va reprendre avec Dieu, te dit Dieu, te dit. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, ta parole nous dit que tu as payé le prix, le prix lourd à la croix pour libérer la bénédiction. Et ce matin, nous savons que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que vous êtes bénis ce matin Est-ce que vous croyez que ce problème qui traîne depuis trop longtemps dans votre vie est réglé maintenant au nom de Jésus Je ne suis pas en train de chauffer la salle. Je suis en train de vous dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, à moins qu'on ne manifeste pas la foi. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous guérir maintenant est-ce que vous croyez que Dieu va pourvoir à vos besoins maintenant Alors j'aimerais qu'on puisse prier cette prière ensemble collectivement. Au nom de Jésus, Père, je crois que cette année est une nouvelle saison pour ma vie. Je ne me laisserai plus assujettir par l'ennemi de mon âme. Je ne me laisserai plus intimider, mais je considère ta parole. Je refuse de regarder à ce que mes yeux voient, à ce que mes oreilles entendent, ce que les autres ont dit, ce que les situations ont crié. Je crois que tu es le Dieu de miracles. Je crois que Jésus est mort à la croix pour que je sois béni. Je refuse la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, écoute-moi bien Satan, à compter d'aujourd'hui, tu ôtes tes sales pattes de ma vie. Je t'expulse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu pourvoie tous mes besoins. Par les meurtrissures de Jésus, je suis en bonne santé. Le sang de Jésus-Christ me protège de tout mal. L'ennemi ne peut me nuire. Il est vaincu. Nous avons la victoire. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. J'appelle à l'existence mon miracle. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à parler maintenant à ce que dans ton corps qui ne va pas. Commence à dire à ton corps de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à ton corps et j'ordonne à ton corps d'être guéri maintenant par les meurtrissures de Jésus-Christ. Les yeux qui voient mal maintenant, au nom de Jésus, voient clairement. Les yeux flous deviennent clairs maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute myopie disparaît maintenant. Toute maladie dans les corps disparaît maintenant. Toute Disparaît maintenant, toute arthrite disparaît maintenant au nom de Jésus. Tout problème osseux, tout problème de cœur, tout problème de circulation au nom de Jésus est guéri maintenant. Oh maladie, écoute-moi bien. Tu te soumets à ce que dit la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tu te soumets au nom de Jésus maintenant. Ce nom t'écrase et te pulvérise. Microbe au nom de Jésus, bactérie au nom de Jésus, tu disparais maintenant mais par la puissance du nom de Jésus. Son nom est au-dessus de toute maladie maintenant dans ta vie. Son nom est au-dessus de tout symptôme maintenant dans ta vie. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. J'ordonne à ce coup de se débloquer, à ces épaules d'être guéri maintenant au nom de Jésus, à cette douleur au cœur de partir maintenant, à ce souffle de disparaître maintenant au nom puissant de Jésus-Christ douleur au genou, à la cheville, je te l'ordonne donne maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, passe dans les rangs maintenant et guéris cette personne. Maintenant ta cheville est solidifiée, ta place sur le sol au nom de Jésus. Et déclare, je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Pose la main là où tu as mal et parle, parle à cette montagne et dis-lui au nom de Jésus, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Dépression, je te l'ordonne. Tu sors de ma vie. Rejet, je te l'ordonne. Tu quittes ma vie. Esprit d'infirmité. Au nom de Jésus, tu quittes ma vie maintenant. Lâche, lâche, lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Le joug se brise maintenant au nom de Jésus. Les ténèbres fuient maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche. Tu commences à sentir une chaleur dans ta poitrine. Te touche et guérit ton âme maintenant au nom de Jésus. La douleur et la peine partent au nom de Jésus. Pose ta main sur tes poches maintenant et déclare que ton Dieu en cette année t'accorde promotion et faveur financière au nom de Jésus. Attends-toi à un miracle. Que chaque jour quand tu te lèves, ce soit comme un nouveau matin ensoleillé où Dieu t'accorde des surprises. Quelque chose, quelque chose, quelque chose doit se passer dans ma vie en cette année. Le temps vient où le monde doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. J'appelle la prospérité dans ma vie. J'appelle l'abondance au nom de Jésus. Parle, parle, parle maintenant, parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis un chouchou. Je suis un enfant de Dieu. Je suis favorisé. Dieu a dit que je serai la tête et non la queue. Alors pourquoi suis-je la queue Au nom de Jésus, je deviens la tête. Pose la main sur ta tête maintenant et déclare au nom de Jésus, je deviens créatif. Au nom de Jésus, mon intelligence se décuple. Au nom de Jésus, j'entends la parole de Dieu clairement cette année. Au nom de Jésus, je franchis le Jourdain avec foi. C'est une saison nouvelle pour le renouvellement de mon âme. Au nom de Jésus, je vis le surnaturel cette année. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle sur ta vie. Parle et déclare des choses sur ta vie maintenant. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi Appelle ce que tu veux le salut de ton mari. Appelle-le au nom de Jésus. La fécondité, appelle-la maintenant au nom de Jésus. Le succès et la réussite dans tes entreprises, appelle-la au nom de Jésus. La faillite n'est pas ton partage. Je suis plus que vainqueur. Je suis une nouvelle création. Je suis un nouveau genre de personne. Tel que Jésus était tel, je suis. Cette année, c'est l'année de la conquête. Cette année, je prends possession de mon héritage. Satan, tu ne me voleras plus au nom de Jésus. Je déclare que ce que la Bible dit que j'ai, je l'ai. Ce que Dieu m'a promis, je l'obtiens. Je rachète le temps au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. On le refait une dernière fois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire, la gloire de, Dieu. de Dieu. Dis à ton voisin, tu verras, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, tu verras. La gloire de Dieu. En 2016, je te dis. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ton couple, tu verras. gloire de Dieu. Je te dis que c'est tu verras? La gloire de Dieu. Dans ta santé, Dieu te dit Dieu. que tu verras sa gloire cette année. Je marche non par la vue mais par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Croyez-vous Bien, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, j'ai senti la présence de Dieu et les frissons. Peut-être c'est à cause de la porte était ouverte aussi à l'arrière, je sais pas, j'avais froid. On déclare la chaleur pour la semaine prochaine. Amen. Mais la chaleur du Saint-Esprit aussi. J'ai senti la présence de Dieu tout au long. Amen, c'est la parole de Dieu pour nous pour cette année, l'année de la conquête. Amen. Et puis avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Gloire à Dieu.